traverser. Regard juste croisé, des amours effleurés ou laissés de côté. À peine le temps de vivre qu'il faudrait déjà tout réécrire. Mais je sais qu'un jour je pourrais trouver mon chemin pour me reposer. Son emmène à des arts, un concert bénéfice pour l'hôpital juif, pour le département de pneumologie, un département qui me tient à cœur, mon
mon beau-père est mort. C'est quelque chose de très important de récolter des fonds pour les maladies pulmonaires. Il y aura plusieurs artistes avec toi. Et il y aura plus de santé, tu es invité. Et tous les artistes seront invités, ça sera un plaisir. Et vous êtes invités aussi. Triste. Le 11 avril à la place des Arts. 11 avril, ça sera présenté personnellement. Son événement, ça sera bien. Le spectacle sera avec moi pour présenter. Donc c'est vraiment une occasion à ne pas rater. Oui, merci beaucoup Vince. Merci. Notre prochaine invitée, justement, on a écrit la chanson ensemble pour elle. C'est une artiste qui a démarré très très jeune. Je pense qu'elle a démarré même dans le ventre de sa mère. Puis l'album s'appelait « Je fais des blou-blou dans le bedon de maman ». Mais on l'a connue à l'âge de 12 ans. On l'a connue à l'âge de 12 ans. J'ai un ami qui m'a dit « Faut pas rire de tes blagues ». Je ris pas. Elle a donc commencé à 12 ans, ça se fait 3 fois que je le dis, 12 ans. Et puis, aujourd'hui, elle a grandi. Trois petites filles maintenant. Et elle vient de chanter. Et magnifique voix. Qui a été, la chanson a été un de ses grands succès. Donc voici Marie-Pierre Perrault avec J'oublierai.